D'après Gala, Johnny Depp s'opposerait au mariage de Vanessa Paradis et Samuel Blanchetry, que les rumeurs affirment prévu pour cet été. Même si cette future union, révélée au début de l'année par le magazine VSD, est loin d'être confirmée, Johnny Depp, l'ex de Vanessa Paradis, y aurait déjà réagi. Divorcé d'Amber Heard, l'acteur hollywoodien de 54 ans verrait d'un très mauvais œil que son ex et mère de ses enfants cèdent à son tour aux sirènes du mariage. Il a toujours dit qu'il n'oublierait jamais la mère de ses enfants. L'amour peut être différent, mais il est toujours là. VSD, on le rappelle, affirme que Vanessa Paradis et son homme s'apprêtent à donner une nouvelle impulsion à leur idylle, après un an de relation passionnelle. Alors que Vanessa Paradis n'était pas obsédée par la bague au doigt, elle semble avoir changé d'avis en acceptant d'unir sa destinée à celle de son compagnon, le 19 juillet prochain à l'île de Ré. L'endroit choisi par le couple pour célébrer cette union est la somptueuse villa appartenant à une décoratrice, Laurence Simoncini, l'ex-femme de Marc Simoncini, le richissime créateur de Mythique. Fermez les guillemets, il s'agit d'une belle demeure de 900 mètres, dessinée par l'architecte.